Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer de manière succincte votre espace pro. Nous allons passer en revue tous les liens et voir un petit peu tout ce que vous allez faire. On détaillera lors de prochains tutoriels beaucoup plus affinés chaque rubrique. C'est parti, donc là nous allons nous connecter, puisque là vous avez le bouton en haut se connecter, vous cliquez dessus et... Alors, on considère bien évidemment que vous avez demandé le rattachement d'un salon de coiffure ou vous avez enregistré votre salon et que celui-ci est validé. D'accord? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir un précédent tutoriel qui vous explique comment référencer un salon de coiffure sur moncoiffeur.fr. Donc, ici, vous allez mettre votre identifiant et votre mot de passe que vous avez précédemment indiqué et vous faites me connecter. Voilà, maintenant vous êtes connecté. Vous voyez qu'ici, vous avez un bouton qui s'appelle Espace Pro. Vous cliquez dessus et voilà, vous arrivez sur votre Espace Pro. Donc, sur le tableau de bord, ben, on voit pas mal de choses avec les avis, les clients, les prospects, un numéro de téléphone pour nous joindre, un bouton pour accéder directement à votre fiche. C'est des accès directs, hein, mes horaires, mon agenda, mes photos, etc. Vous pouvez ici demander... faire la demande de votre sticker pour le recevoir par la poste, pour comme ça au moins vous pourrez le coller sur votre vitrine. Le détail de votre fiche ici avec le plan et la pertinence de votre page. Donc la pertinence de votre page, c'est-à-dire toutes les demandes qu'il faut que nous vous faisons pour faire en sorte que votre page soit la mieux renseignée possible. Donc là, on voit qu'il n'y a absolument rien à renseigner puisque c'est une fiche de test que nous avons pris et il n'y a absolument rien à renseigner. On verra dans les tutoriels suivants sur une fiche déjà que nous avons renseignée. Et plus bas, vous avez les statistiques de consultation où on peut voir ben, les consultations de chaque jour, combien de visiteurs nous vous avons envoyés. Voilà. Donc ceci pour le tableau de bord. Ensuite, vous avez, on va partir sur le menu de gauche, où vous avez fiche salon. Hop. Et là, on arrive sur la fiche salon où tous les renseignements sont possibles à enregistrer. Donc vous avez le nom de votre enseigne, votre adresse, le code postal, etc., le numéro de téléphone. Vous voyez, donc là, je vous laisse regarder et renseigner ce que vous voulez. Si vous avez envie de lier un site web, vous pouvez le faire ici, etc., etc. Des renseignements complémentaires, quel mode de paiement vous prenez, les marques que vous utilisez, les prestations spéciales, etc., etc. Voilà, une présentation de votre entreprise, le numéro de SIRET correspondant à votre établissement et tous les renseignements sur les informations juridiques. Ensuite, vous avez les photos. Ici, vous allez pouvoir indiquer, plutôt renseigner et enregistrer des photos. C'est-à-dire, vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez, que ce soit des photos de vos réalisations, de votre devanture ou autre. Et vous allez ici les enregistrer en cliquant sur ce bouton, sélectionner. Hop, et là, vous allez sélectionner les fichiers que vous voulez et vous allez les enregistrer. D'accord? Et vos photos se retrouveront à cet endroit-là. Ensuite, vous avez les horaires. Très important les horaires, puisque ce sont les horaires de votre établissement. Donc ici, vous allez pouvoir enregistrer vos horaires, que ce soit donc pour les jours de la semaine, du lundi au dimanche, hein, pour ceux qui travaillent le dimanche, et ouvert de à, etc. pour tous les jours de la semaine. Voilà. Vous pouvez faire deux plages horaires. Hein. Je vous expliquerai comment faire. Par exemple, si vous avez une plage d'ouverture pour le matin et une autre plage pour l'après-midi. Ici, vous avez les prestations. Alors, on le verra bien évidemment en détail. Mais ici, nous, on va gérer automatiquement, on va vous créer trois catégories, femmes, hommes et enfants, pour pouvoir enregistrer vos prestations. D'accord? Donc, mais c'est ici que vous allez enregistrer toutes vos prestations que vous allez proposer à vos clients, du style coupe brushing, coloration, mèche, etc., etc. L'équipe.
L'équipe, c'est à cet endroit que vous rentrez votre équipe, c'est-à-dire vos collaborateurs, ou même vous-même aussi, avec en enregistrant un nom, un prénom plutôt, ou un surnom, la présentation de ce que fait votre coiffeur ou coiffeuse, et vous pouvez afficher en cliquant ici, sélectionner vos fichiers, c'est-à-dire mettre une photo de votre collaborateur. L'agenda. Donc l'agenda, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir créer votre agenda, c'est-à-dire pour pouvoir gérer la prise de rendez-vous en ligne, entre autres, ou tout simplement les agendas de vos collaborateurs et de votre salon de coiffure en généralité. Mais il faut savoir qu'il y a un agenda par collaborateur. Les clients. C'est ici que vous allez retrouver tous vos clients, d'accord? Vous allez pouvoir, en cliquant sur ce lien-là, créer un nouveau client, un nouveau contact. Vous aurez ici la liste de tous vos clients. Vous allez pouvoir même ici les rechercher par le moteur de recherche dans vos clients. Les prospects. Donc les prospects, ce sont des personnes qui viennent à partir de notre site, qui ne sont pas spécialement clients, mais qui viennent à partir de notre site et qui font soit une recherche sur votre fiche, soit ils veulent prendre rendez-vous chez vous, etc. Voilà, ils seront affichés dans cet endroit-là. Vous aurez aussi la possibilité de les lister. Les avis. Donc les avis, ce sont les avis qui seront laissés par vos clients. Vous aurez la liste de tous les avis qui seront indiqués ici, avec les descriptions, tout ça, hein, tout ça. Et c'est à cet endroit-là que vous pourrez répondre à ces avis. Les annonces d'emploi. Si par exemple vous cherchez un collaborateur, un coiffeur, une coiffeuse, un brevet ou un CAP ou autre, un apprenti, c'est ici que ça se passe en créant ici une nouvelle annonce d'emploi. Cette annonce sera affichée sur votre fiche de votre salon de coiffure, mais aussi dans la liste globale des annonces d'emploi de l'ensemble des salons de coiffure de la France. Les bons plans ou les promos. Donc c'est ici que vous allez créer vos bons plans, c'est-à-dire par exemple si vous décidez de faire une remise, je dis des bêtises, mais le mardi vous décidez de faire moins 20% pour les moins de 20 ans, ben c'est ici que ça se passe. Si vous voulez faire des remises pour les produits du style, par exemple un produit acheté, un produit offert, c'est aussi ici que ça se passe. Et ces bons plans se retrouvent dans la catégorie bons plans général, mais aussi dans votre fiche salon. Ensuite, vous avez ici un bouton pour nous contacter. Donc, à cet endroit-là, vous pouvez nous contacter par mail en enregistrant un message, ce que vous voulez, pour prendre contact avec nos services. Vous pouvez paramétrer ici votre compte avec le nom d'utilisateur, celui-ci ne bouge pas, l'adresse email, elle ne peut pas être changée. Bien sûr, vous êtes gérant de salon de coiffure, mais vous pouvez modifier votre mot de passe en enregistrant votre mot de passe actuel, le nouveau et le confirmer le nouveau mot de passe. Votre profil public, voilà ce que les personnes voient de vous quand ils cliquent sur votre profil. Donc on voit bien que seulement des informations non confidentielles sont affichées. À aucun moment on n'affichera votre numéro de téléphone portable si jamais vous l'avez indiqué. Et ici, vous vous déconnectez de votre espace professionnel. Si vous avez par exemple plusieurs salons, c'est ici mes salons de coiffure, ici. Vous pouvez à partir de là enregistrer un nouveau salon de coiffure, d'accord, en enregistrant son numéro de téléphone et vous faites valider. Vous allez suivre la procédure. À cet endroit-là, vous allez pouvoir lister tous vos salons de coiffure que vous gérez. Si vous en gérez un, vous en avez qu'un. Si vous en générez 10, vous aurez les 10 salons de coiffure et c'est à partir de là que vous allez pouvoir les gérer en cliquant sur éditer. Et là, vous allez arriver sur le tableau, sur la page donc de la fiche de votre salon et vous allez pouvoir éditer votre salon. Vous repartez sur le tableau de bord et vous avez la globalité de votre salon. Et une demande de rattachement, c'est-à-dire que si jamais vous avez des demandes en cours, vous avez fait une demande de rattachement d'un salon de coiffure sur votre compte, c'est ici que ça se trouvera et vous aurez le statut à cet endroit-là, le statut de
l'enregistrement. C'est-à-dire que tant que notre équipe éditoriale n'a pas validé votre demande, ben, elle sera toujours ici. Voilà, on a fait un tour succinct de votre espace pro. Maintenant, moi, je vais prendre point par point et je vais détailler tous les points de votre espace pro dans des tutoriels différents. Autrement, ça aurait mis trop de temps. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutoriels.